tout le monde, ici Yakipon pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Brand, vengeur flamboyant. Brand se joue en tant que mage mid. Sa passive, qui a un ignite sur le temps, est complètement fumée. C'est-à-dire que si vous laissez un gars avec genre allez 100 PV, vous êtes sûr de le tuer. C'est bien hein, comme ça. Vous avez même pas besoin d'utiliser le sort ignite. Oh allez, si, vous pouvez le faire comme ça, mais ça fait double ignite, vous êtes au moins sûr d'avoir un kill quelque part dans votre vie. Dr. Mundo, démon de zone. Dr. Mundo se joue en tant que jungler ou en tant que top. C'est un personnage ultra tanky au vu déjà de son putain d'ulti, oui, il faut le dire. Son ulti lui mange un tiers ou deux tiers de ses PV actuels, mais il lui en remet des tonnes. Et lui fait gagner aussi de la move speed, pour se barrer ou pour juste peut-être poursuivre un ennemi, mais en regagnant des points de vie. C'est cool. Dr. Mundo, quand il tape avec ses sorts, il consomme des PV. C'est pour ça qu'en fait, c'est un gros sac à PV. Jinx, gâchette folle. Jinx joue en tant qu'AD carry. Elle est vraiment bonne vu qu'elle a un très bon contrôle en fait. Son contrôle est assez simple à placer, vous avez juste à le poser derrière l'ennemi quand il ne bouge pas. Généralement, vous avez un support pour ne pas le faire bouger. Et donc après, ben, il va dedans et il meurt le carry adverse. Et vous avez juste à changer votre A ou Z, je sais plus d'ailleurs quel sort c'est. Bref, vous avez deux flingues, vous avez la petite mitraillette qui vous permet de tirer très vite, et vous avez le lance-roquette qui vous permet pour un petit coup en mana de faire des attaques en AoE. Kalista, lance de la vengeance. Kalista se joue en tant qu'AD carry. Et s'il vous plaît, je vous jure, s'il vous plaît, ne faites pas l'ouragan de Runan en premier. On voit beaucoup de Kalista le faire en ce moment et c'est nul à chier. Pourquoi? Parce qu'elles ne font aucun dégât. C'est tout con. Si tu prends l'ouragan de Runan en premier item, tu ne fais pas de dégâts. Tu peux le prendre vers la fin, je veux bien l'admettre que ça peut être cool sur Kalista, mais pas en premier. Bref, Kalista, c'est assez compliqué à jouer vu que ses auto-attaques déjà on ne peut pas les arrêter et le fait de faire des petits sauts à chaque auto-attaque peut devenir très compliqué à gérer. Pardon. Leona, Aube Radieuse. Leona se joue en tant que support. Et c'est un des meilleurs supports du jeu hein, pour faire de la classer à bas niveau, même à haut niveau. Vous savez pourquoi? Parce que Leona c'est ultra tanky et que ça a beaucoup de contrôle. Voilà, tout simplement. Leona, ça stun, ça neutralise, ça stun en masse, ça stun, ça neutralise, ça restun en masse. Ça fatigue aussi. Comme ça au moins vous êtes sûr de gagner. Nautilus, titan des profondeurs. Nautilus se joue en tant que jungler. Et pas trop en ce moment parce que ben, il se fait juste péter la gueule par toute la jungle. Sauf si vous vous faites aider, mais énormément. En fait, Nautilus est très bon pour ganker par contre. Il peut choper quelqu'un avec son encre ou sinon utiliser son ulti pour faire un peu plus de dégâts et contrôler plus d'ennemis. Renekton, dévoreur des sables. Renekton se joue en tant que top, et il est ultra tanky, et fait très très mal. Plus il a de fureur, plus il fait mal avec ses sorts. N'oubliez pas que si vous dashez une fois, et que vous touchez un ennemi, vous pourrez dasher une deuxième fois. Ça c'est plutôt important, parce que beaucoup de gens l'oublient. Taric, chevalier aux gemmes. Taric en fait on ne le reverra jamais, sauf quand ils feront un skin pour Taric, ce qui n'arrivera pas vu que en 3 ans que je joue à LoL, je n'ai jamais vu un nouveau skin de Taric. Voilà. Donc c'est dit, Taric sinon, ben, ça se joue en tant que support, ça stun, ça soigne, et ça protège beaucoup son carry au vu de ses boucliers atroces. Viktor, héros des machines. Viktor se joue en tant que mid. Il est ultra méga fort maintenant vu que vous pouvez l'améliorer en payant des petits items, mais ces améliorations sont vraiment très très bonnes. Vous pouvez améliorer tous vos sorts en fait, à vous de découvrir comment et à vous de découvrir ce qu'ils font. Volibear, grande main de tonnerre. Volibear se joue en tant que top ou en tant que jungler. Il est très bon en tant que jungler vu que son A lui permet de courir plus vite vers les ennemis. Donc généralement, vu que vous engagez avec ça, vous courez très vite vers le petit monsieur. Vous faites votre E pour le ralentir, vous l'envoyez en arrière, et après, ben, vous tapotez avec la papate de Volibear, et vous faites son Z pour lui faire au taquet de dégâts. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec cette rotation, j'espère que vous a plu. N'oubliez pas que ce week-end, nous faisons un tournoi de LOL grâce à IvaSaOndé, oui. On vous fait des petits cadeaux par-ci par-là. Il y a des lots à gagner. Il y a des gens à tuer. Venez, venez, c'est gratuit. C'est gratuit. Allez sur la page League of Yakipon, je vous donne toutes les infos. Ou sinon, allez sur la page Evason, ça va plus vite. Allez, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.